Richard de Secateur, ici au Nous Secrets de Wuyan, de retour sur les antennes de la TVA. À présent, c'est le char de la radio Trans-Artibonite qui fait la différence, vraiment. Cette station de radio fait la différence, elle diffuse ses émissions sur la bande AM. Et voilà que elle se met de la partie de l'ambiance carnavalesque pour cette première journée carnaval 91. Trans-Artibonite qui, sur machine, côté à diffuser toute période carnaval 91 là. Mais c'est même pas approché, mon côté Stone TVA campé là. Nous parfois vivons bien ça, même que la KO, et qu'on regarde et nous connaît, c'est un différent de nous. C'est en haut sur moi, ça fait jeudi dimanche, premier jour, carnaval 91. Et voilà, voilà, là, nous vivons ambiance, radio dans sa solide, et à l'effet avec caméra là, nous pas nous voyons ambiance là, que TVA à Bayona. Radio dans sa solide, la station, vous le prix, créant le disco, bar, restaurant, hôtel, Marianne Bonnette, paiement, la Fouda. Voilà que les gars passent là, c'est TVA avec les Pépé qui est voilà. Salut, la salle de Pépé là, en forme de bébé. Et Guy Marco, à l'autre des soins. Ce reportage pour cette première journée de carnaval Carmen Rose avec Jean-Charles Adelphin comme caméraman, assisté de plusieurs autres techniciens, Auguste Claudie et Auguste Jean-Michel, Michael GM, qui n'est pas là pour l'instant, mais de toute façon que ça a été un plaisir de vous présenter ce premier reportage. Et nous espérons être auprès de vous d'ici demain mardi, et pour le deuxième reportage de carnaval 91. Placé sous le signe du changement, de la victoire, de la résistance. Merci bien, portez-vous bien, à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, soyez très prudents et modifiez un peu vos propos, et car ça promet d'être chic et merveilleux. Pour cette matinée du dimanche 10 février 91, jusqu'au moment où je vous parle, aucun incident n'a été enregistré. Tout s'est passé pour le mieux, tant au Congo Naïve qu'à Port-au-Prince ou dans les différentes villes de province. Merci bien, portez-vous bien, à bientôt. Bonsoir.